Ça fait des petits créateurs, nous consacrons déjà si nous sommes sur le channel Billy les créateurs. Ça fait quelques temps qu'il m'a posté une vidéo, donc c'est pas de faute moi. Nous connaissons qu'on va arriver déjà. Le confinement est ici, nous avons des petits problèmes qui nous ont géré. Et ça fait une cause qui m'a pas posté une vidéo. Pour nous, bien que nous ayons une série de vidéos qui est en vrai déjà, mais nous connaissons que nous allons déclarer une vidéo avant ça, avec la vidéo, il faut qu'on assure, ok, ou que l'autre qui vient après. Ok, pour pouvoir déclarer, il faut avoir ça pour nous ne pas jamais. Ok, donc ça fait que m'pat la vidéo et dans cette vidéo ça m'parle de échelle d'exposition ou bien triangle d'exposition. Donc dans vidéo je dis on parle de ça qui est ISO. Alors ISO c'est bien qui est toujours dans la caméra nous, mais nous pas jamais connait exactement comment ça lui fonctionne. Alors faut que moi image ça qui va regarder à ligne un triangle décomposition de qui c'est trois éléments qui permettent que on regarde déjà on regarde là. Ok, c'est toi éléments ça qui va regarder chaque regarder là. Toi éléments ça c'est ISO, vitesse, ceci c'est ouverture. Toi éléments ça c'est toi éléments qui va être caméra là lui fonctionner. Donc on va l'expliquer aussi sur quoi comment on va l'utiliser pour fonctionner caméra qui dans mon ceci possibilité ou bien qui dans scène qui va prendre. Alors parfois quand on comprend ISO à combien sorte de lumière qui intègre dans caméra, c'est pas le cas. Ok, c'est pas le cas, c'est pas ça, c'est pas sorte de lumière qui intègre dans caméra. Par contre mais bah si vous voulez comment comprendre, si par exemple vous shooter avec caméra là dans la rue, ok, dans la rue avec soleil tout ça, comment filmer à partir de comment mettre ISO à partir de 100 jusqu'à 400 ISO, bien que les caméras qui va monter dans 600-800, mais si qui va filmer dans la rue, vous êtes supposé utiliser ISO là à partir de 100 ISO jusqu'à 400 ISO, mais si qui va filmer dans un champ car vous allez utiliser lumière. Par contre, on peut toujours utiliser le 200 à 200 jusqu'à 400. Mais si vous shooter en dehors de caille qui pas de lumière pas gagner, on peut capable monter jusqu'à 800 ISO bien jusqu'à 1600 ISO. Alors, comment ISO a lui-même fonctionner sur caméra? ISO a fonctionné si vous avez tout son junior multiplié par des par exemple des bases, les 100 ISO. Alors, une fois que ou peser mon lettre là, la vini 200 ISO. Et une fois que vous pesez molette là encore, la vini 400 ISO et si vous pesez encore, la vini 800 ISO. Si vous avez 100, vous multipliez par 2, vous avez 200. 200 ça qui vous gagne, excuse, là que vous multipliez 200 par 2, la vini 400. Et 400 si vous multipliez par 2, la vini 800. Et si vous multipliez 800 par 2, la vini 1600, ainsi de suite. Alors, les caméras qui viennent dans combien 1000 ISO, 2000, 3000, 4000, 6000 ISO. Mais les caméras qui peuvent arriver au plus haut que 800 jusqu'à 1600 ISO. Alors, quand vous avez un film, vous allez vous connaître comment vous utilisez ISO là. Alors, ISO là, il est utilisé en fonction des lumières, en fonction des situations. Ça, quand vous avez un film, vous êtes capable de monter jusqu'à 400 ISO. Pourtant, dans la situation pour là, vous allez monter, ça va beaucoup, c'est jusqu'à 800 ISO, 1600 ISO. Quand ça trouve le film en local, il doit avec seulement 100 ISO ou 200 ISO. Quand ça trouve pas le film en local, ou des lumières, mais obligé de monter dans 800 ISO. Qui sont deux qu'on est dans les qu'on monte dans ISO et les qu'on baisse dans ISO. Les qu'on monte en ISO, alors c'est ça que l'engagement. L'engagement c'est pas vraiment monter ISO, non, c'est pas comme ça qu'il dit. L'engagement c'est monter en ISO. Alors ISO a écrit ISO. Les qu'on monte en ISO, qui ça qui capable de passer? Si que on monte en ISO par exemple on t'a doué à 200 ISO on monte à 400 comme ça est déjà de base ma pour exemple qui puis avancer c'est tout faut d'adouer était dans 400 ISO et puis tout remonter en 800 ISO et les qu'on fait monter en 800 ISO senti ou manquer ça qui est l'éclairage là on y a on va pas monter en 1600 mais on monte en 1600 sans que on pas rendre compte que on pas mettre dans le truc c'est pas les mieux qui augmenter vraiment vrai mais c'est sensibilité là. Les gens qui vont monter dans XO extrême, ça, on va avoir deux problèmes. On va avoir un flou de mouvement. Les, si on a fait ce bas de bon qui a passé, on sent que maintenant la coller. Ça, c'est une. Deuxième bagage qui va avoir encore, on va avoir ça qui est le grain.
nou pral gen sa ki li bruit nan video a. Alors bruit nan video a ki sa sa li? Gen moun ki kapab panse bruit nan video a se le konsante de swa bruit moto, bruit machine, bruit parazit. OK, bruit parazit nan bruitaj kom nou pa konnen se nou kont sa ki bruitaj lan. En parenthèse, bruitaj lan se kom si se m ap gade pa mon ordre fè krèp. Bruitaj lan se kom si m dadou pran pale la et ou chèvis m ap fè bruit ou bien pye m ka fè bruit, men se pa kom si comme d'a dit ça. Je sais non l'aime d'expliquer ça qui bruitage là. Mais pas confondre bruitage là avec bruit qui est dans vidéo. Bruitage c'est comme si pendant m'a parlé là et tout ou bien pendant j'étais dans biome là, il y a un monde qui vient côté moi, mon li ouvert porte là et doit attendre bruit porte là qui ouvert. Donc ça c'est un bruitage. Mais ou pas attendre bruit porte là sans que bruit porte là pas gain rapport soit avec film. OK, donc faut qu'on pas confondre bruitage avec bruit dans film. Donc m'a fait une vidéo exactement pour parler des bruitages pour capter comprendre. Mais lorsque nous parlons de bruit dans vidéo ou bien grain dans vidéo, nous voulons parler de si tant par exemple que m'a mettre exemple là m'a faire montage, dans montage m'a régler ça. Donc soit regarder la première vidéo ça vient gain grain. C'est ça qui bruit dans vidéo. Donc ça est le bruit numérique. Et ben dans plus vidéo que vous regardez, c'est ça qui cause et ça. C'est là que mon li monter en ISO sans qu'il pas gain une quantité de lumière et parfois quand monter en ISO ou pas pas gain ou pas gain flou de mouvement ça mais ou capable que ça qui relie seulement bruit seulement ou capable gain bruit numérique seulement bien vu là va venir grain seulement. Donc là que on monter en ISO, donc si que on monter en ISO ou pas gain assez de lumière ou capable gain seulement grain. Mais par contre alors ou capable monter en ISO sans qu'il pas gain en pile lumière ou gain grain ni tout gain vidéo là sensibilité à une pop comme ça tout on capable gagner une quantité de lumière comme si on gagne mais capable ou pour monter réseau ou pas gagner grain mais son une image qui crame dans mais crame c'est ça qui ce genre image ça là c'est là ça crame. Donc les que ou monter en ISO si vous gagne une quantité d'éclairage donc on pas capable pas gagner grain mais on gagne une image qui crame. Alors, ça que vous capable pas gagner grain, vous capable gagner image qui cramé, toute caméra ou pas même, gain caméra capable monter en 1600 ISO, image tout rester simple, plutôt gain caméra monter en 800 ISO, image là vient cramé, image là vient grain pendant ce temps on a même intensité lumière. Alors, intensité lumière s'il vous plaît, on va faire l'autre vidéo pour parler de lumière. Pour comprendre intensité lumière, intensité lumière là en parenthèse, c'est quantité lumière qui vous gagne dans champ là qui va filmer ou bien dans environnement là. Alors, on va parler de intensité lumière, là, on va parler de 5, 10, 20, 30 lumières. Mais on va parler de capacité de lumière à filmer. Parce qu'on est capable de gagner 30 lumières, dans un monde qui est en seule lumière, fait plus de travail à ça. Et bien, on travaille qui est plus bon, qui travaille qui va faire. C'est ça qui fait, il est important, là, on va utiliser ISO dans la caméra, là, pour qu'on ait exactement comment pour utiliser. Alors, dans toute caméra honnête, on va pouvoir côté ISO à marquer. Une caméra, par exemple, caméra Canon T6O. ISO a tout monté, une fois que vous virez ce modèle là, vous trouvez ISO, là qui va faire vidéo. Excuse. Là qui va faire vidéo, et ça qui m'a dit là, tout pas forcément là pour vidéo seulement, donc de base, c'est pour photo. Alors il faut que nous connaissions toute vidéo. Vidéo en soi, c'est une succession de 25 images par seconde qui va être vidéo. Donc tout ça qui m'a dit là, c'est pour photo qui va appliquer. Donc une fois que vous mettez une application pour photo, elle va laisser ça qui est pour faire ça qui est vidéo. Alors si monsieur Photoshop yo nous débarrer à venir pour tout. Donc tout ça nous va dire là là ni pour photo ni pour vidéo. Donc nous bon rendez-vous pour une autre vidéo côté que nous va parler de ça qui relie vitesse d'obturation. OK? Ciao.